Le processus BIM et les métiers qu'il fait émerger, les spécialités et les spécificités de ces profils, quel est l'intérêt de former ces profils, comment faire pour bâtir des compétences BIM. Je vous proposerai un panorama qui n'est pas exhaustif sur les offres de formation qui existent et je finirai par une conclusion, bien sûr. Alors, rapidement, comme je vous disais, on existe depuis 2012. Kamel et moi avons créé cet institut, mais en réalité, on a une petite vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la formation et du service. Nous avons trois axes de développement et d'action, à savoir des formations diplômantes et qualifiantes. On va dire qu'on a deux domaines de prédilection. C'est pas une leçon de notre part, à savoir l'architecture et le BTPH et l'informatique et les nouvelles technologies. Pour une raison basique, parce que nous sommes deux produits de l'EPO, promo 91 et 93, et puis parce que les nouvelles technologies nous ont toujours intéressés. À titre d'exemple, Kamel n'a jamais exercé en architecture, il a vite opté pour les nouvelles technologies en 91. Les services aux entreprises, parce que nous avons la prétention de faire de l'accompagnement de différentes manières et à différentes échelles. Et enfin, les softs, puisque nous avons l'honneur et le privilège d'être vendeurs agréés des gammes Autodesk, Alpi, ISA, GeoMansura et Geometry. On aura l'occasion de reparler en détail de tous ces aspects-là cet après-midi. Alors, évidemment, on vous a dit que le BIM c'est bien, que le BIM c'est un processus. La question est, qu'est-ce qu'il faut comme investissement ou comme paramètre à intégrer lorsqu'il s'agit d'opter pour le processus BIM? Alors, il y a les paramètres suivants qu'il faut intégrer. Le premier paramètre, c'est la motivation. Mesdames et messieurs les décisionnaires, ici présents, lorsque vous serez convaincus que le BIM est intéressant pour vos entités économiques, vous serez assez motivé et assez convaincu pour franchir le pas. Et je crois que c'est la première pierre de l'édifice. S'il n'y a pas la conviction et la motivation des décisionnaires, c'est très difficile d'enclencher le processus. La deuxième étape, c'est le choix de l'outil BIM. Bien sûr, il y a plusieurs éditeurs de logiciels, même si je me dois de vous dire que ce n'est pas parce qu'on produit si on peut vite qu'on a pour autant opté pour le processus BIM. On peut travailler sur Revit, ou Archicad, ou autre, sans pour autant s'embarquer dans un processus BIM. Mais dès qu'il est question de logique et de processus BIM, il faut se poser la question de l'outil ou des outils. Troisième paramètre, la stratégie. Parce que une fois que la motivation est actée, il faut avoir une stratégie, se poser la question, quel est mon noyau dur avec qui je vais démarrer mon processus BIM? Il va être composé de qui? C'est qui le chef de projet que je vais désigner? C'est qui les deux collaborateurs que je vais m'associer? Je vais démarrer avec quel projet pilote? Je vais démarrer avec quel objectif? Structure, architecture ou autre? Quatrième paramètre, la planification. Je le fais à quel moment? Je le fais en local? Je le fais en délocalisant? Cinquième paramètre, on va dire que c'est ce qui m'intéresse principalement, la formation. Parce qu'il y a plusieurs aspects d'investissement. Anis mentionnait tout à l'heure le gain qu'implique le BIM, que ce soit en termes de temps de production, 30 à 40%, que ce soit en termes de délai de livraison, c'est extraordinaire que d'avoir 6 mois d'avance avec 9 milliards de dollars. Bien sûr, ça se passe aux États-Unis, c'est assez révélateur. En revanche, en amont, il y a de l'investissement, c'est-à-dire il faut s'équiper, il faut former ses ressources humaines. Et en général, cette phase de transition, elle implique une baisse de production qui est autour de 30%. Alors vous allez me dire, oh mais pour gagner, il faut que je perde. Évidemment, il faut toujours, la semence, elle coûte cher. Il y a un proverbe de Camille qui dit, si le pays
la semence, il ne sèmerait pas ses semences. C'est exactement ce qui se passe au niveau du BIM, c'est-à-dire il faut investir du temps, de l'énergie et de l'argent, équipement, en machines, en sort et en formation. Mais sur une durée de 3 à 5 ans maximum, avec des retours d'expérience différents, après, sur tous les projets qui vont se faire avec le BIM, il va y avoir 30 à 40% d'optimisation et de gains. Donc je vous laisse le soin de comparer de et de ces. Il y a l'accompagnement qui s'impose parce que, justement parce qu'il y a une baisse de production, il faut se faire accompagner par des gens qui ont de l'expérience et de l'expertise et qui sont capables d'éviter aux entreprises, aux bureaux d'études, aux agences qui optent pour le BIM, d'éviter des erreurs qu'ils ont déjà vues se produire ailleurs. S'embarquer dans le BIM seul, ce n'est jamais une bonne solution. Et enfin, l'évaluation, parce que justement, lorsqu'il sera question d'opter pour un projet pilote avec un noyau dur et un objectif unique, à l'issue de cette première expérience, il faut évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour corriger les choses pour le projet suivant, jusqu'à atteindre la totalité du processus BIM au sein d'une agence ou d'un bureau d'études. Le BIM est un processus qui couvre le cycle de vie d'un bâtiment. Marseille et Nice l'ont assez explicité en amont. Ça va de l'étude, l'esquisse, la conception, jusqu'à l'exploitation, voire même jusqu'à la démolition du bâtiment qui arrive parfois. Ce qui fait que cette maquette numérique, qui est l'outil opératoire du BIM, couvre cette dimension. Anis, on a parlé tout à l'heure, la deuxième et la troisième dimension, c'est ce qu'on sait faire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui est maquette d'études et de réalisation, enfin, et de conception. Ensuite, vous avez la quatrième dimension qui aborde par anticipation le calendrier de conception. Vous avez la cinquième dimension qui intègre les coûts et les chiffrages. La sixième dimension qui intègre l'exploitation du patrimoine. Et enfin la sixième dimension, pardon, la septième dimension qui n'est pas négligeable, c'est tout ce qui est lié aux performances énergétiques et environnementales. Alors vous avez là un récapitulatif, un schéma récapitulatif. Bien sûr, je cite la source par honnêteté intellectuelle. Donc c'est Bouygues Telecom qui a édité un e-book très intéressant que vous pouvez trouver sur Internet pour expliquer un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, cette maquette numérique opératoire est fondamentale. Alors comment ça marche? Eh bien, on essaye de mieux concevoir, de mieux construire et de mieux exploiter. Si on sait faire ça, on finira par avoir des performances et des économies tournant autour de 30 à 40% à tous les niveaux. Ce processus BIM, qui est intéressant, qui est important, fait émerger donc de nouveaux profils. Je préfère commencer par parler des profils parce que c'est lié à la compétence humaine qui reste quand même fondamentale. Quoi qu'une vision, quoi qu'une passion. Donc on a d'abord le profil de BIM Manager qui se trouve un petit peu sur le haut de la pyramide, hein, c'est le sommet de la pyramide. En général, un BIM Manager a en charge le processus BIM de manière globale et il a surtout la responsabilité de la fameuse maquette numérique. Mes prédécesseurs ont assez insisté sur l'importance du Big Data, de l'information, et donc il faut un chef d'orchestre. Et justement, ce chef d'orchestre, c'est le BIM manager. Et donc, c'est lui qui a cette lourde responsabilité. Ensuite, vous avez un deuxième profil, c'est celui des BIM coordinateurs qui ont, eux, la charge de la gestion du processus BIM, mais par entité. Ça peut être l'entité structure, ça peut être l'entité flux, ça peut être l'entité enveloppe, ça peut être l'entité gros œuvre. Donc, c'est assez ciblé. Ensuite, on a d'autres profils. Alors, je ne dirais pas moins important, je peux employer le concept de pyramide avec plusieurs étages et complémentaires. Ces étages sont importants.
sur un projet BIM, et ensuite on peut pousser plus loin ces compétences-là. Certains voudront être BIM manager certifié, et là il y a tout un parcours de reconnaissance d'une compétence qui est très importante. Alors, comme je vous le disais, mon panorama n'est pas exhaustif. Je vais parler plus de ce qui se passe en France pour deux raisons. D'abord, je les connais un peu, ces dispositifs de formation initiale et professionnelle. Et puis la France est un peu à mi-chemin, c'est-à-dire elle est relativement en retard par rapport à Singapour et l'Amérique du Nord, et elle est relativement en avance par rapport à l'Algérie. Donc, ça me permet d'avoir un bon repère. Deux minutes. Donc, vous pouvez trouver tous ces éléments-là sur l'article et le dossier réalisé par Alice Larola, justement sur le cahier du moniteur de mars 2014. Mais je prendrai plus de deux minutes, cher Akli. Au niveau des formations initiales, la maquette numérique n'est pas vraiment obligatoire, mais vous avez des modules qui existent, qui sont assez intéressants, comme par exemple architecture, modélisation, environnement, avec des unités donc comme acquisition et modélisation des données, connaissance de la modélisation et la modélisation des connaissances, un formidable jeu de mots. Vous avez par exemple l'École supérieure des travaux publics à Paris, qui depuis un certain moment a bien misé sur le BIM, et là, en octobre 2015, ils ont fait un formidable investissement, puisqu'ils ont créé une salle. Elle existait déjà, mais là, elle a été boostée, puisqu'ils ont créé une salle avec 35 logiciels, pratiquement la totalité des logiciels compatibles BIM, et puis 80 ordinateurs, 93 écrans. Le but étant le suivant, puisque les jeunes étudiants d'aujourd'hui sont les futurs jeunes diplômés de demain, sont les futurs chefs de projet d'après-demain, donc il faut qu'ils soient habitués au BIM, déjà au berceau, c'est-à-dire au sein des écoles. Vous avez également saisi, et d'ailleurs je crois qu'il y a une antenne ici, ils ont une filiale en Algérie, très spécialisée en informatique, mais ça fait 2 ans qu'ils s'intéressent au BIM, et l'année dernière, ils ont lancé un master professionnalisant sur le BIM. Vous pouvez retrouver les sites de ces organismes et regarder un petit peu le contenu. Et puis, un master professionnel a été lancé en septembre 2014 du côté de Marne-la-Vallée, où il y a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 organismes qui sont partenaires. Et j'attirerai votre attention juste sur la variété de ces partenaires, puisque vous avez l'École des Ponts et Chaussées, vous avez Paris Tech, vous avez l'École des Travaux Publics, vous avez le CNAM, vous avez le CSTB, vous avez l'École Nationale des Systèmes Géographiques, et puis plusieurs écoles d'architecture, et enfin, vous avez l'École supérieure d'économie et technologie de la construction. En formation continue, vous avez plusieurs organismes qui proposent des cursus qualifiants ou certifiants, encore une fois, donc le CSTB, le GEPA, et des formations du groupe moniteur qui s'adressent aussi à des profils divers et variés, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, promoteur immobilier, chargé d'opération, et même des responsables de services techniques, parce que, comme je vous disais, le BIM couvre plusieurs étapes du cycle de vie, y compris l'exploitation. Et puis, des ateliers numériques et des formations aux outils. C'est difficile de conclure. Je prends encore 3 minutes à qui. Rapidement, alors, à travers les autres étapes du monde, vous avez donc Singapour, qui compte avec un projet pilote, avec un objectif unique. Ensuite, former les chefs de projet, souvent par entité. Ensuite, proposer des formations thématiques. Marseille a parlé des familles tout à l'heure, parce que c'est intimement lié au processus de production des entreprises et des bureaux d'études. Donc l'accompagnement est très fondamental au niveau de cet aspect-là. Ensuite, il y a les prestations outils, puisqu'il y a du développement informatique, entre autres. Et puis enfin, réaliser la charte BIM. Quand on arrive à la réalisation de la charte BIM, ça veut dire qu'on est à peu près à la dernière brique de la mise en place de ce processus BIM.
Il faut des compétences techniques, mais il faut aussi des compétences humaines, analytiques et autres. Et là, je vais faire court, les hiérarchies. Pour conclure, et là, c'est ma vraie conclusion, depuis une dizaine d'années, il y a une vraie agitation qui se vit aux quatre coins du monde, avec des degrés divers et variés. Hein. Singapour n'est pas l'égal du Canada, le Canada n'est pas l'égal de la France, et la France n'est pas l'égal de l'Algérie. Donc aujourd'hui, encore une fois, je suis très heureuse de prendre part à cet événement-là, qui n'aurait pas eu lieu sans l'implication des partenaires et organisateurs, chez le concept Alternative Urbaine, qui n'aurait pas eu lieu sans nos partenaires Autodesk, Alpi, Faro, Engima, et puis Siemens et Infotech, et pardon si je l'ai oublié. Et puis si j'ai un vœu à formuler, c'est que si cette agitation a démarré dans le monde il y a une dizaine d'années, et qu'elle commence aujourd'hui, on ne sont plus à Alger, ben, qu'elle dure et qu'elle soit pérenne. Merci pour votre attention. Я на то лишь не народ, на то лишь.